Il est 12h41 sur Europe par la suite du journal avec Pierre Devineau et Raphaël Duchemin. La ministre de la Santé Agnès Buzyn Pierre a lancé ce matin la semaine de la vaccination et première campagne de vaccination à partir de dimanche, il y a plus en plus d'enfants de, vaccinés, c'est un vrai retour de confiance des parents sachant que tous les enfants nés à partir de 2018 eh bien ils sont obligés d'être vacciné. Mélanie Gomez, est encourageant. Et oui, d'autant que seulement 15 mois après la mise en place de l'obligation, les résultats sont là. La proportion d'enfants vaccinés a déjà bien augmenté sur tous les vaccins. 5% de bébés en plus vaccinés avec celui qui est notamment contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche. Plus impressionnant encore, la progression du vaccin contre le méningocoque C qui provoque des méningites parfois mortelles. Là, on est carrément passé de 39% des bébés de moins de 1 an vaccinés à 76%. Ça fait quand même 36% d'augmentation en seulement une année. Alors vous me direz euh, vu que tous ces vaccins sont maintenant obligatoires, ce n'est pas si étonnant non plus que le nombre d'enfants vaccinés augmente, mais en fait, on voit aussi que ça s'améliore chez les enfants plus âgés, ceux qui ne sont pas soumis à l'obligation, justement, comme le précise la ministre de la Santé, Agnès Buzan. Aujourd'hui, il y a un effet fratrie, c'est-à-dire que les parents sont en train de rattraper des vaccins qui n'ont pas fait faire aux enfants plus âgés de la fratrie et je crois aussi malheureusement que les deux épidémies de rougeole, celle de 2018 comme celle de 2019, font prendre conscience à nos concitoyens que des maladies qu'on croyait oubliées sont en train de revenir parce que nous avons baissé la garde. Alors maintenant, pour les autorités, il reste encore un défi à relever, c'est de convaincre les adultes aussi de se faire vacciner eux. Et là, l'urgence en ce moment, c'est par exemple la rougeole, actuellement une épidémie sévit en France et dans le monde. Et il y a déjà de nombreux décès, et ça, à cause justement des jeunes adultes non vaccinés. Merci, Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe